Et salut tout le monde, c'est Tizo et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de ma série sur Minecraft, version payante. Et oui, comme je voulais jouer en ligne, jouer sur des serveurs, jouer sur pas mal de maps en multijoueur, j'ai décidé d'acheter Minecraft. Donc ça va faire plus d'une semaine que je possède, mais malheureusement, par un malencontreux bug, je n'ai pu jouer. Donc c'est-à-dire que ma version était considérée comme craquée, et donc les serveurs ne m'acceptaient pas. Je suis allé me référencer à, comment on appelle ça, à un modo de Mojang, voilà, un modérateur, je sais pas si c'est le bon terme approprié, mais bon, il a réglé le problème, je lui en remercie de tout cœur, et on se retrouve aujourd'hui sur le serveur MineFR, le serveur Hunger Games, via Survival, avec plusieurs modes différents, de Frigel et de Mr. Vivo 45. Donc je voulais faire à l'origine sur celui de MCPHG, voilà bidule, d'avant, mais malheureusement je n'arrive pas à rejoindre la partie, je veux dire j'arrive à rejoindre une partie mais ils ont le God Mode, ils ont un bug. Et pour celui de Forta et Bob, je n'arrive pas à rejoindre la ruche, c'est-à-dire The Hive. Donc on va tout de suite se diriger vers le portail à Hunger Games, c'est-à-dire un survival mode. Hop là, je sprint. Voilà. Donc je vous préviens, la vidéo sera un tout petit peu longue, donc n'hésitez pas à la regarder en plusieurs parties ou alors à regarder que le passage qui s'en tire. Donc là on va prendre un serveur où il y a pas mal de monde, comme ça au moins je pourrais pas mal tuer de gens. Donc ici qu'est-ce que c'est? Mode monde des donateurs, ouais. Enfin ici c'est pour faire des dons. Donc là ici on a 150. Bon, on va prendre le premier serveur. Moi je prends toujours le premier serveur car c'est souvent celui où il y a le plus de personnes. On se le ment pas. Ok, donc j'espère que cette fois il y aura pas le God Mode, comme ça moi je pourrais bien crever. Bon, c'est un peu bizarre comme c'est prononcé, hein, parce que d'habitude les gens ils veulent pas mourir. Donc on va tout de suite trouver, comment on appelle ça, un serveur. On clique au pif. Voilà. Et donc nous voilà dans le serveur, donc je vais quand même baisser la barre de chat puisque c'est un peu agressif. Opacité. Opacité style. Voilà. 60. On va voir ce que ça donne. Ok, non, on va quand même augmenter un peu parce que sinon il faut quand même voir ce qu'ils disent les gens au cas où ils peuvent. Il y a des French. Donc là je crois qu'on est sur un serveur européen. Et voilà, donc ça le fait. Donc cette map je la connais pas mal puisque je regarde aussi les vidéos de Frigel, de Bob et compagnie. Donc je connais pas mal cette map, hein, donc c'est un peu une sorte d'auto-spoil par moi-même. Donc le temps que ça commence, je vais un peu vous parler de ce qui va se passer. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas le Hunger Games c'est un jeu, il y a un mode de jeu inspiré du film et des bouquins. Le but est en fait de ramasser de l'équipement au milieu du centre, lorsque le départ va être lancé par un compte à rebours, et le but est de se cacher et de survivre le plus longtemps. Un seul survit, malheureusement. Et il y a bien sûr d'autres coffres cachés un peu partout sur la map. Et à la nuit tombée, normalement, les coffres qui ont été vidés reprennent du stuff. Ceux du milieu, voilà, que je montre ici. Donc au passage, vous avez vu, j'ai réussi à avoir un skin TF2, puisque moi j'adore TF2. Donc aussi, je voulais m'excuser, car je voulais publier cette vidéo vendredi, mais malheureusement, le bug, vous savez, du God Mode, je n'ai pas pu rejoindre le serveur. Je n'ai plus tué de gens, donc... C'était plutôt négatif pour un début, hein. Bon, il y a pas mal de gens qui rejoignent. Donc c'est plutôt cool. Donc j'ai pas mal de lag, mais malheureusement, si vous voulez avoir une bonne qualité, c'est ça à sacrifier. Mais bon, plus je m'éloigne des gens, plus, comment peut-on appeler ça, plus j'ai de chance d'avoir la co. Mais bon, ça va, j'ai la co, mais en fait, j'ai pas la meilleure qualité graphique pour jouer à Minecraft. Je ne suis pas sous Windows 7 ou alors sous Windows Vista 8. Donc le but là, c'est de se barrer le plus loin possible. Justement là ici, il y a un temps de God Mode, c'est-à-dire par exemple, pour pas que les adversaires se tuent tout de suite, on leur donne le God Mode pour éviter qu'ils se suicident. Donc là, il va falloir vite que je me casse avant qu'il y a quelqu'un qui me prenne en filature. Donc là, le but c'est de partir le plus loin possible. Et dès que vous entendez un orage, c'est que quelqu'un est mort. Ah, bon, bien sûr, il y a quelques mobs sur la map. Une fois, ça m'a fait rigoler. Il y a comment on appelle ça? Oh cool, il y a du stuff. Regardez, aïe putain, le bruit, désolé, je passe un peu. Il y a un mec qui meurt, donc j'ai pas la tactique pour prendre super vite les items. Donc j'ai un pantalon, ça me fera déjà assez d'équipement. Donc malheureusement, j'ai vu des gens qui viennent dans ma direction.
Voilà. Ah tiens, il y a un site de crash, donc l'ambiance est une ambiance post-apocalyptique, puisque dans le film, je vous le narre un peu, comment on appelle ça? Il y a des districts qui ont été bâtis à cause d'une révolution, je sais pas trop, hein, j'ai un peu lu le synopsis du film, et pour je sais pas quoi affronter, pour pas que les districts perdent un truc du genre, et ben ils doivent s'affronter à un match à mort. Oh putain de merde, le squelette. Ça m'apprendra à pas regarder les mobs en face. Donc là, à mon avis, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont venus par ici avec cette impo. Oh. Oh putain, il m'a collé une flèche, le squelette, mais bon. Il y a un grenier. Ouais, il y a l'air d'avoir un plafond. Allez, on grimpe tout en haut, donc j'espère que les lags vont un peu s'arrêter. Donc ici on a une vue magnifique sur la map, donc vous voyez comme. Oh putain de merde, le con il se fait. Ah merde, il y a un chainmail là. Donc là apparemment on peut se taper, donc c'est ça qui est bien. Donc là, le but c'est de se casser le plus loin possible. Bon, j'espère que je vais pas croiser le squelette, donc là je commence déjà mal. Putain, squelette. Donc des fois il y a des coffres qui sont cachés dans l'eau. On va faire une vue arrière pour voir si je suis. Bon, il m'observe et c'est plutôt flippant, on dirait un gros pédophile. Oh putain du. Oh putain de merde. Oh merde, bon, le décor il se détruit pas sur cette map. Je me dépêche de me barrer de ce nid à merde. Oh, c'est le même coffre que la dernière fois. Ouais. Oh le con. Il faut que je m'arrache. Putain, vas-y, y a trop. Ça commence déjà mal le mot. C'est parti. Oh putain, j'ai croisé un mec. Oh putain, ils se poursuivent. Ok, donc il va plutôt essayer de frapper celui avec qui est stuffé. Donc on va retirer parti, on va vite se casser ici, on va aller se réfugier à la gare. On vérifie. Oh putain, il y a des blobs. Putain, ils auraient pu patcher les mods. Les mobs. Je pense que la gare a déjà été fouillée. Donc là, il me faut absolument une épée pour me battre. Je vais essayer de monter tout en haut car je sais qu'il y a un coffre qui se situe tout en haut des poteaux de chemin de fer. Donc là, si je tombe, c'est la mort. Autant rester concentré. Donc je vais mettre la croix sur le fil. Donc là, ici, on a une forteresse abandonnée. Donc, on va essayer de monter en haut du train car en haut du train, normalement, je pense qu'il y a du stuff. Donc c'est souvent dans les petits abris, dans les endroits délabrés que il y a du stuff. Donc là. Putain, je sais pas pourquoi, mais j'ai des frissons, j'ai peur de tomber. Si je tombe là, je perds la moitié de ma vie, donc là, je lâche pas à sourire. Putain, il y a mon nez qui me gratte. Là, voilà. Voilà, ok, il y a un coffre tout au fond. On va profiter. Ah putain, merde, il a été fouillé. C'est une cachette évidente, il y a trop de monde qui la connaît, celle-là. Est-ce que ça a été fouillé ici? Il n'y a rien. On va descendre prudemment. Il y a des mobs à l'intérieur, on va pas trop. De toute façon, on peut pas entrer à l'intérieur puisqu'on peut pas casser le décor. Ok, il y a cube de terreau. Non, on va aller fouiller en dessous du pont. Donc, j'espère qu'il n'y a pas trop d'intrus. Quand je dis intrus, je parle de joueurs. Hein, parce que... Ah, tiens, il y a un mec qui a échappé un poulet. Personne derrière moi, personne devant. Attends, je suis chaud. Donc là, il n'y a pas vraiment de l'action, hein, puisque je ne nique personne. Là, je suis pacifiste, donc il y a apparemment des gens qui sont passés par ici, il y a aussi eu du combat. Ça doit vraiment être galère de construire un dôme de cette taille. Hein. Oh, j'ai un coffre. Il a été fouillé. Oh, non, il n'a pas été fouillé. Alléluia. Une flèche. Une pomme. Un pantalon, deux pantalons. On va changer, on va mettre ça. On va garder ça. On va mettre la flèche pour taper avec.
Ah merde, putain, je suis purement. Eh, ah! Connerie de lag. Donc là, ici, il y a beaucoup de campeurs, faut que je me méfie. Oh putain, cul, il y en a là-bas. Donc, excusez-moi si je jure, mais en fait, je flippe. Oh putain, il m'a vu, je crois. Je flippe ma race quand il s'agit d'échapper au combat. Même là-bas, je sais pas s'il a un arc, j'espère qu'il en a pas. Mais le but, ça va être de se casser le plus loin possible de ce merdier. Donc, j'hésite même pas à retourner en ville. Enculé, vas-y. Il me vise. Et on se barre, on va se réfugier dans la guerre. Oh! Oh, du con, vas-y, j'ai pas envie d'affronter, merde. Vas-y, on se barre le plus loin possible. Bon, le but, ça va être de le semer. Là, c'est bon, je sprint à mort. Je veux pas me retourner et lui faire un kick. Je pense que plus ma vie, il faut qu'elle se régénère. Putain, qu'il me suive plus. T'as enculé, les tenaces. Au pire, sinon, on l'amène dans une zone de combat où il y a d'autres mecs qui se fight déjà. Comme ça, au moins. C'est réglé, ok. Donc on va essayer d'aller vers l'aéroport, si je me rappelle bien, d'être quelque part par là. Putain, merde, putain. Il est plus là. Hein? Ah, putain, il m'a tué. Ah, putain, merde, déjà, il m'a tué. Allez, on y retourne. Il m'a mis une tête. Donc, clique au pif. Allez, on descend, on fait ça. Non, c'est un peu ridicule ce que je fais, je sais, mais bon. Il y a un mec qui s'éclate avec les feux d'artifice. Oh putain, faut vite que je trouve des gars avec qui jouer. Donc là, on a pas mal de gens. D'ailleurs, moi, je suis le seul à avoir un heavy. Like a boss, man. Ah, enfin dans la game. Il n'y a plus qu'à attendre que les gens reviennent, donc on est toujours sur la même map. Hein. Ah, c'est pas vrai. Un jour, ils vont me le payer. Voilà. Et si j'espère que vous passez de très bonnes vacances. Hein. Bon, oui. Il faut que je meuble ce silence de merde. Regardez, il y a un zombie. Va-t-il le tuer? Elles sont harcelées, c'est marrant. Allez, on va remettre notre vol. Vous savez quoi, dès que ça commence, eh ben, on se barre. Donc on va prendre les lianes qui sont juste là. Là on a un bleach, oh ok ça commence. Allez, on va explorer le monde, The Magic Pony. Que je peux tuer lui. Oh, petit con va. Même pas le droit de te tuer en toute tranquillité. Ici il y a une maison là-bas. On va tout de suite aller fouiller. D'abord celle-là parce que celle-là j'ai pas encore fouillé. Quel petit con va. Ah! Derrière mon pas. Ah, squelette! Je sais, pourquoi ils vont pas laisser. C'est bon, il m'a laissé tranquille. Ah! Ouh, petit coffre en l'air! Hihi, cramaille! Ah, on a des underboules.
frapper les gens avec. Vraiment faire cramer les gens avec. Magic Pony. Non, il est ici. Il y a peut-être un truc. Oh, une flèche. Quelqu'un qui est passé par là. Là il est énorme. Désolé si les hommes détruisent leur arme, mais bon, j'ai pas tout mon temps moi. Ok, on est à côté du train. Peut-être qu'il y a encore quelqu'un. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde au train. Il y a un coffre là-haut. Bon, on va pas aller chercher rien encore parce qu'il est relou. Il va mort. Demi-tour. F5. Non. F6. Et puis toujours le con, allez. Moi le guerrier aujourd'hui. Donc on va y... Ah, yeah. Oh, connerie de lag. Oh putain, le lag de mort qu'il y a eu. Oh, il y a quelqu'un à la forteresse. Ah, à moins, d'après moi, il y a un noir épais. S'il y a quelqu'un qui a eu un briquet aussi, c'est une mauvaise idée. Putain, le con, qui c'est qui a foutu de la lave partout? On va passer par le feu. Il n'y a personne à la forteresse, mais bon, à cause de cette lave, je peux pas monter à l'étage. Moi, mais je pense que la gare a été fouillée elle aussi, mais bon. On va s'assurer d'aller vérifier le. Comment on appelle ça? Encore une fois, le. Oh, tiens, DXP. Et. On va fouiller à la gare, on va fouiller à la gare. Donc il y a des zombies, attendez. Attends, mon jeu il veut plus sprinter ou quoi? C'est quoi ces conneries? Bon bah on va y aller tranquillement. Donc en attendant on va manger une côtelette. Oh, y'a un mec là. Oh putain, y'a un mec. Oh, il a réussi à monter au haut de la tour. Enfoiré. Ça, j'ai eu peur. Je suis que j'ai tombé encore. Il faudrait bien un arc comme ça. Car les flèches font très mal. Oh putain, je vais tomber. Ouh, c'est violent. Donc après ça, on va arrêter. Putain, j'ai peur. Je me chie dessus. J'ai la diarrhée. Mais c'est l'humour bête et scatophile, mais bon, ça peut toujours amuser certaines personnes. Ah, oh, du coup, à chaque fois, ce coffre il est fouillé. C'est relou là. On va demi-tour, on retourne à la gare. Moi, bon, je vais un peu rester en hauteur comme ça, au moins. Ceux qui ont des arcs, ils vont peut-être me viser, mais bon, ceux avec des épées, ils vont faire moins le malin. Il y a un mec là-haut, il campe. Ah, putain, il y a un coffre là-bas. Non, le mec qui est monté là-haut, il est ultra stuffé donc. Pas vraiment s'y frotter car moi j'ai pas beaucoup de stuff. Je sais pas si à la caserne il y a des trucs à voir. On a un peu essayé de. Comment on appelle ça? De s'engouffrer dans la ville. Avec un peu de chance, j'ai peut-être trouvé quelqu'un. Oh putain! Il y a des mecs qui fight. A votre avis, j'y participe au combat ou pas? Donc on était obligé parce qu'il n'y avait pas d'escalier. Il m'a pas vu. Putain, je le frappe ou je le frappe pas. Il va prendre sournoisement un autre gars, je crois.
cache, on va remettre le pantalon. Hop là, voilà. Ok, il fouille les maisons, mais bon. Justement, la chose à faire en fait, c'est d'aller à contre-sens, mais moi je vais toujours dans le mauvais sens. Je me pêche comme ça, papa. Donc, on sait qui est dans cette maison. On va passer le plus vite possible. Oh, putain de merde. Ah, il m'a vu. Ah, du coup, il y en a un autre là-bas. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Il me poursuit, ouais. Putain de merde, j'aurais pas dû rester en ville. Il est où notre gars? Attends, on va aller poursuivre votre gars. On va essayer de faire un affrontement à 3, comme ça au moins, je pourrais peut-être m'échapper avec un peu de chance. Pourquoi je vais pas aller à moi? Allez, fonce! Oh putain, il lâche pas l'affaire. Oh putain, ça, je le sens mal, ça va me terminer. Putain. Et vas-y, du con, lâche-moi! Me tue pas, merde! Moi, je veux juste avoir du stuff. Ok, on a l'aéroport ici. Donc, est-ce qu'il y a des gens? On va pas monter en hauteur. Bon, sinon, au pire, j'ai mes Underboules pour me barrer. Ah putain, il me rattrape. C'est bon, il se barre. Ah! Putain, il court encore plus vite. Attends, mais s'il ne passe entre les trous. Tombe dedans, espèce de con. Putain, merde, merde. On va essayer de faire un détour. Attendez, voir ça. C'est bon, il l'a abandonné. Oh, le con, bon. Attends, on va voir quand même. Ok, on s'est vu, ouais. Il part chercher des trucs dans l'avion. On sait pas si ici. Ici, j'étais déjà passé, mais. J'étais, comment on appelle ça? Je m'étais pas. Si aventuré. On va y retourner, on espère qu'il n'y a pas mec qui campe. Putain, merde. Je vais regarder un truc. On va voir à la cave, j'espère qu'il y a peut-être un truc. C'est une cave comme les autres. Non, c'est les araignées, ouf. Voilà, on va y aller tout doucement. Alors, ça a été fouillé. On va demi-tour avant qu'on se fasse coincer dans un coin. Voilà, attendez, j'ai relancé mon frappe, parce que comme ça ira beaucoup mieux. On va passer par la vieille Syrie. Pas le pays, hein. Je sais pas si on appelle ça une menuiserie, voilà. Le conseiller qui a rajouté des bruits. Oh là là, putain. On va vérifier sur le toit s'il n'y a pas un truc à shipper. Voyez-moi pas. Faut que je me cache, Enculé de ta maman. Quoi, il m'a eu? Enfoiré, il m'a eu. Oh là là, putain. Oh là là. Bon, bref, j'espère que cet épisode vous a plu. Sur ce, je vous dis bye bye, c'est un mode très très difficile, hein. Moi je suis pas habitué. Je vous dis bonne journée et bonnes vacances, salut. C'était Tizo.